Bonjour à nouveau, avec aujourd'hui non pas une vidéo mais une présentation de type diaporama que j'ai appelé donc l'histoire de la douleur en 20 minutes. C'est une idée de présentation qui m'est venue d'un usager de FN Nation, du forum FN Nation, qui avait fait remarquer que souvent les chroniques avaient tendance à se focaliser sur quelque chose de précis ou à faire référence à des périodes qu'un néophyte ne connaît pas forcément ou aurait besoin de replacer en contexte, hein, avec un contexte général. C'est ce contexte général que je vais essayer de donner ici. Alors pourquoi le donner par cette vidéo plutôt qu'en vous renvoyant à la page Wikipédia de WWE? Parce qu'en fait la page Wikipédia de WWE, je trouve qu'elle est très dense et elle va aller détailler des choses qui ne sont pas forcément très pertinentes et passer vite ou même carrément oublier des choses que j'estime plus importantes. Donc moi ce que je vais essayer de faire là, c'est distinguer différentes époques, vous donner le début et la fin, et surtout vous expliquer en quoi elles se distinguent les unes par rapport aux autres, en essayant de faire ça en 20 minutes, ce qui n'est pas gagné puisque j'ai pas mal de trucs à dire. Et donc j'attaque tout de suite avec la première diapo. Alors d'abord, toutes les diapos se présenteront comme ça. Vous aurez le titre de la partie en haut, et en bas à gauche, les dates de début et de fin de la période en question. Chaque diapo renvoyant à une période. Pour la première période, ici, c'est une période de 28 ans, c'est contestable de faire une période aussi longue, mais j'estime que c'est plus une genèse, presque une... Je vais qualifier ça d'une période préhistorique, c'est-à-dire que lorsque la WWF va vraiment devenir la WWF dans le sens qu'elle a encore aujourd'hui, WWE, eh bien je pense que son identité va vraiment changer par rapport à ce qu'elle était lors de cette période 52-80. Donc c'est pour ça que cette période-là, je ne vais pas la détailler au niveau du produit, d'autant que c'est aussi une période tellement ancienne que je ne pense pas qu'elle va intéresser beaucoup de monde, en tout cas pas beaucoup de néophytes. Et ceux que ça intéresse, à mon avis, connaissent déjà un certain nombre de choses et vont aller se documenter directement sur les années 70-60. Une chose aussi, là je viens de me rendre compte que j'utilise WWE et WWF indifféremment. Les deux sigles renvoient à la même chose. Sachez juste que ça a changé en 2002 du fait du litige avec l'autre WWF, avec le panda, la World Wide Foundation. Je vais certainement pas arrêter de switcher l'un avec l'autre, mais sans que ça ait de sens. Hein. Ça renvoie à la même chose, on oublie. Donc cette période-là, j'appelle la WWF comme partie de la NWA. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est que la NWA. C'est la North Wrestling Alliance. C'est pas une fédération. C'est une alliance de fédérations, puisqu'en fait à l'époque, donc avant les années 80, la lutte nord-américaine fonctionnait sous forme de territoire. Je vous ai mis une carte des territoires les plus importants. La WWF avait le territoire en bleu où il y avait Philadelphie, New York, Boston. On peut prendre un exemple, la Florida Championship Wrestling, qui a le territoire en rouge là en bas, qui correspond en fait à toute la Floride. Ou encore la famille Hart, qui avait le territoire en orange avec la Stampede Wrestling, par exemple. Bon, vous voyez qu'il y a beaucoup de territoires, notamment plusieurs territoires dans une même zone, avec le Texas, avec le territoire de la famille Funk, enfin je ne sais pas exactement. Je ne connais pas tous les territoires, bien entendu. Et en fait, donc la WWF faisait partie de cette alliance. Alors c'est quoi exactement cette alliance? C'est qu'en fait, c'était juste une question de non-compétition. Lorsque tu faisais partie de la NWA, tu garantissais de ne pas aller donner des shows sur le territoire du voisin, et tu étais sûr de ne pas avoir de concurrence sur ton territoire. Ou du moins... de concurrence sérieuse, parce qu'en fait les fédérations qui faisaient partie de la NWA, c'était toutes les grosses fédérations. Il y avait encore des toutes petites fédérations qui n'étaient pas parties de cette alliance. Sachez juste aussi une autre chose, c'est qu'il y avait un champion interfédération, le plus connu étant Lou Thesz, mais que chaque fédération avait son champion, on va dire presque champion régional à un certain niveau. Et donc pendant quasiment toute la période 52-80, je dis quasiment parce qu'il y a eu quelques petits litiges, la WWF a fait partie de cette NWA. Durant cette période-là, c'était Vince McMahon senior à droite sur la photo qui gérait la WWF. Et lorsque son fils, Vince McMahon Jr., que je vais appeler simplement Vince McMahon maintenant, c'est celui que vous connaissez, j'imagine, a repris la fédération, bien Vince, lui, avait comme intention de s'émanciper de la NWA et de créer une fédération mondiale, on peut le dire, je pense. Et donc, il a choisi de faire ça en utilisant tout l'argent que son père avait accumulé durant ses 28 ans, pour acheter les plus grandes stars des différents territoires, obtenir des contrats avec les différents réseaux de télévision, et donc partir dans une forme de conquête de l'Ouest version lutte. Donc voilà pour cette première période. Ça nous emmène donc à la première véritable période que je vais détailler, la Hogan Era, donc qui va de 1980 à 92, plus précisément jusqu'à WrestleMania 8, je vais expliquer pourquoi dans quelques minutes. Et donc, comme je le disais, Vince McMahon a acheté toutes les stars des différents territoires. Donc, le plus connu, c'est Hulk Hogan, celui sur lequel il va miser le plus de billes ensuite. Mais il a aussi acheté des gars comme Roddy Piper, Ricky Steamboat, Andre the Giant, Aaron Cheek, Greg Valentine,
pas mal d'autres, pour faire une espèce de super fédération, si on veut. À l'époque, c'était un peu comme ça que ça a dû être ressenti. Au-delà de cet investissement important qui d'ailleurs a mis la WWF au bord de la banqueroute, c'était un gros risque de la part de Vince. C'est aussi un gros coup de génie, j'imagine. Il y avait aussi une vision d'un produit qui était quand même très différent du produit qu'on pouvait avoir dans la majorité des territoires de la NWA, j'imagine presque peut-être l'intégralité des territoires. Un produit beaucoup plus tourné vers le côté entertainment et beaucoup moins le côté sport. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que finalement, on va accorder beaucoup plus d'importance aux gimmicks des lutteurs, aux promos et à tout ce qui est segment, altercation et tout ça. Alors on va se retrouver avec des gars, j'ai mis une photo de Ultimate Warrior qui ont des gimmicks tout droit tirés des comics Marvel, ce genre de choses. Hogan, lui, c'est son charisme naturel et sa capacité au micro qui va être beaucoup utilisée et qui va expliquer pourquoi il est champion, plus que ses capacités dans le ring à l'arrivée. Et puis aussi, il va transporter tout un tas de valeurs, faites vos prières, mangez vos vitamines, tout ce genre de trucs. Voilà, il y a Jake the Snake avec son serpent, etc. Donc, voilà, c'était un petit peu plus accessible pour des fans qui, avant, ne s'intéressaient certainement pas à la lutte. Et je pense que finalement, la grande réussite, et ce qui a fait que la WWF a bien réussi à démarrer et à devenir cette fédération mondiale qu'on connaît aujourd'hui, c'est dans sa capacité à aller chercher des fans qui, à base, n'étaient pas intéressés par la lutte. Bon, au-delà de ça, le produit de l'époque, je pense que du point de vue de quelqu'un qui suit la lutte depuis 10-15 ans, aura l'impression que tout va moins vite. Finalement, ça revient à peu près, j'exagère un petit peu, à étirer ce que vous avez aujourd'hui sur un ou deux mois, sur un an, et vous obtenez à peu près la fédération de l'époque. C'est-à-dire qu'on avait très peu de gros matchs entre deux grosses stars. Ce qu'on avait beaucoup, c'était des combats entre un gros lutteur et un lutteur de bas de carte. Vous prenez à peu près un gars comme Cena, c'est comme s'il affrontait très régulièrement des mecs qu'on voit actuellement à Superstars. Aucun suspense sur le résultat, c'est juste le plaisir de voir le gars se battre et se dire waouh, il est fort. Pour que lorsqu'il affronte un autre gars qui a fait ça pendant un bout de temps, on ne sait pas du tout qui est le meilleur, genre de truc. Donc bon, c'est un peu l'idée. Donc très peu de gros combats, très peu de défense de titre, donc automatiquement des très longs règnes, et un gros prestige sur ces titres-là. Et je dirais même un gros prestige même sur le fait d'être number one contender. Les storylines sont étirées là aussi, des rivalités peuvent durer un an, 2 ans. Quand je dis des très longs règnes, j'ai pas précisé, mais ça peut être des règnes de 2 ans, 3 ans sans problème. Ça c'est surtout valable jusqu'à la création des pay-per-view en 85 avec WrestleMania. Il y en aura 4 en 92 avec l'ajout de Royal Rumble, SummerSlam et Survivor Series. Mais voilà, ce qu'on peut retenir, c'est que tout allait moins vite. Ça avait du bon parce que du coup, ça donnait vraiment une énorme importance aux gros matchs. Et l'autre truc très positif de l'époque, et qui, je dirais, la chose qu'ils ont le plus perdu ensuite, c'est l'importance de la division par équipe. J'ai même mis 2 exemples dans mes petites photos là qui illustrent l'époque, avec les British Bulldogs à gauche et les Hart Foundation au milieu. Ces 2 équipes parmi une bonne dizaine de très très grosses et belles équipes de l'époque, qui du coup, le titre avait un gros prestige et même ces équipes-là, je dirais presque alimentaient ce prestige par le fait que c'était des vraies équipes qui, a priori, auraient très bien pu vaincre des équipes de 2 stars solo. C'est ça qui est frappant. C'est-à-dire que par la suite, même si vos équipes elles sont valables, face à 2 lutteurs solo, elles perdent. Un petit peu l'idée. Donc voilà, je fais aller cette période jusqu'à WrestleMania 8, puisque WrestleMania 8, donc WrestleMania en 92, c'était censé être le dernier show de lutte pour Hulk Hogan qui allait se tourner vers le cinéma. Bien entendu, il va faire son retour ensuite, un petit run assez court à la WWF, puis ensuite à la WCW, mais à l'époque, disons qu'on se dit, waouh, la grosse star de la WWF s'en va. Pendant ce temps-là, il y avait aussi des litiges avec des prises de stéroïdes autour de Ultimate Warrior, donc il fallait créer une nouvelle star, ce qui nous emmène à la période suivante. En l'occurrence, donc la New Generation, donc de 92 à 97, certains la font aller de 93 à 96, j'imagine. Encore une fois, il ne faut pas se formaliser là-dessus. Et donc, comme je le disais, Vince avait besoin de créer de nouvelles stars. Et avec cette histoire de départ de Hulk Hogan et cette histoire de prise de stéroïdes, plus le fait qu'il semblait que les fans s'intéressaient davantage à des matchs un peu plus construits, du type de ce qu'ont fait Ricky Steamboat ou Savage, ou même Ric Flair, les fans avaient peut-être un peu plus envie de voir des plus petits gabarits qui proposaient une lutte plus rapide, plus technique, plus spectaculaire en termes de moves. Eh bien, Vince va commencer à alimenter un peu plus son roster avec ce genre de lutteurs. Et du coup, les 2 icônes de cette période, c'est donc Bret Hart et Shawn Michaels, bien entendu. Mais au-delà de ça, on peut parler, je pense, du One Two Three Kid, qui est un cas assez
symbolique, j'ai envie de dire, puisque du fait de son tout petit gabarit, il aurait clairement jamais pu devenir une star lors de la Hogan Era. Mais lors de la New Generation, il a pu, du fait donc de cette rapidité, cette prise de risque, ses moves spectaculaires, etc. Donc lui, il est vraiment, je pense, il incarne assez bien ce changement de produit et de direction. Alors bien sûr, il reste quelques lutteurs à gros gabarit comme Diesel ou Yokozuna. Au-delà de ça, c'est pas seulement que dans le ring que la lutte va être plus rapide. On va dire que tout va aller plus vite. Ça va ressembler finalement assez vite au produit qu'on connaît maintenant, avec la création de Raw en 93 qui va augmenter le nombre de grands matchs par semaine, l'augmentation du nombre de pay-per-view, 5 en 93, puis 12 par an en 95, à partir de 95. Donc des règnes de champions plus courts, plus souvent des gros matchs, etc., etc. Donc le produit va se transformer pour devenir à peu près proche de ce qu'on a aujourd'hui. On peut aussi constater que la division par équipe va être reléguée au second plan. J'ai mis ça. Alors même s'il y a des grosses équipes, hein, on peut penser à Owen Hart, Yokozuna ou même Diesel, Shawn Michaels. Ce qui est vraiment symptomatique, c'est que déjà le titre perd de son prestige. Ça devient un titre plutôt mid-card. Et au-delà de ça, les grosses équipes de la période, eh bien, c'est davantage des additions d'individualités que des vraies équipes qui ne font que lutter en équipe. Ces équipes-là, là dont je parle, celles qui ne font que lutter en équipe, finalement, il n'y en a quasiment aucune de valable sur la période, et les équipes marquantes, c'est plus des Owen Hart Yokozuna, Owen Hart Bulldog, Shawn Michaels Diesel, ce genre de choses. Donc au final, même Razor Ramon ou Truth Kid, je crois pas qu'ils auraient été échappés par équipe, mais voilà, c'est plus ces lutteurs-là, ces additions d'individualités qui font faire le buzz sur la division par équipe que des affrontements entre deux pures équipes, si je puis dire. Voilà, alors je fais aller cette période jusqu'à WrestleMania 13 parce que, comme je l'ai dit, Bret Hart est l'une des icônes de cette période, et en fait ça a été le top face durant toute la période, quasiment. Bon, sur la fin, Shawn Michaels l'a un peu dépassé en termes de momentum. C'est aussi un des lutteurs qui a accumulé le plus gros palmarès sur toute cette période, et à WrestleMania 13, lors de son match contre Steve Austin, je trouve que c'est un très bon repère pour se parler de changement de période. Il va faire un heel turn, donc le top face de la New Generation fait un heel turn, pendant que le top face de la période suivante, il n'y a pas de suspense, la Attitude Era, lui, passe de heel à face. Et ce lutteur, c'est bien sûr Steve Austin. Donc voilà, l'Attitude Era. Alors, je ne vais pas la détailler autant que les deux précédentes, cette période, puisqu'elle est extrêmement connue, on en parle encore beaucoup aujourd'hui. C'est la période durant laquelle la lutte a été à son maximum de popularité dans l'histoire en Amérique du Nord. Avec, bon, vous pouvez à peu près multiplier la popularité qu'elle a en Amérique du Nord aujourd'hui par 3, et vous avez la popularité qu'elle avait à l'époque. Par 3, même par 4, selon la période qu'on prend. C'est aussi la période durant laquelle la WWF va absorber la WCW et la ICW, qui étaient ses rivales. Alors la WCW, en fait, c'est si on veut, la réaction de la NWA à la transformation, finalement, du paysage, et poussée, on va dire, de popularité de la WWF, qui va arrêter ce système de territoire et créer à son tour une fédération du même type que la WWF, pour faire simple. Ici, je détaille la WWF, donc je ne vais pas m'attarder sur l'histoire de la WCW. Mais bon, voilà, c'est durant cette période que l'absorption s'est faite. Alors, pourquoi la période a bien fonctionné, je ne l'explique pas forcément entièrement. Ce que je peux dire, c'est que le produit devient moins familial. Avant, ça s'adressait à toute la famille, hein, les enfants comme les grands-parents. D'ailleurs, on voyait des enfants et des grands-mères dans les gradins. Et bien, pendant la Attitude Era, ça ne sera pas le cas. Le produit s'adresse davantage aux ados et, disons, aux jeunes adultes, avec l'augmentation de la violence, du sang et de storyline, avec même des éléments sur le sexe et ce genre de choses. Les valeurs de face et heel sont assez modifiées. Avant, un face c'était un gentil, un heel c'était un méchant. Durant cette période-là, face ça veut juste dire favori de la foule, et heel détesté de la foule, si je puis dire. Et finalement, un gars comme Steve Austin aurait été heel dans une autre période, parce qu'il est bourrin, sans pitié, ce genre de truc. The Rock, avec son côté prétentieux aussi, aurait été heel. Et finalement, ils sont plus adulés que des mecs comme Kurt Angle qui prônent de manger sain. Enfin, un peu le même truc que ce que prônait Hulk Hogan dans les années 80, c'est assez drôle. Eux sont heel. Donc voilà, ou même un entrepreneur comme Vince McMahon qui se veut sérieux, va heel, ce genre de choses. Alors au-delà de ça, c'est la période durant laquelle on va pousser un peu tous les leviers à fond. Alors j'ai mis entre guillemets la banalisation de l'exceptionnel là sur ma petite liste. Parce qu'en fait, on va rendre les changements de titre habituels, des mecs qui se prennent des coups de chaise habituels, on en aura toutes les semaines, des mecs qui passent à des tables toutes les semaines, etc., etc. Et c'était finalement ça qui était exceptionnel avant, c'était ces choses-là qui étaient extrêmement, j'ai envie de dire, climatiques. Là,
ça sera habituel, et du coup, pour rendre quelque chose d'un peu plus saillant, eh bien, on aura tendance à augmenter notamment les gimmick matchs. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez symptomatique de l'époque. Alors, les gimmick matchs, c'est par exemple des steel cage match, des Hell in a Cell, I Quit, ou même des matchs où si tu perds, il t'arrive ceci. Enfin, je sais pas quelle connerie, donc voilà. Au-delà de ça, on a une grosse emphase mise davantage sur les storylines et moins sur les combats. Donc là, à nouveau, on va aller un peu comme dans les années 80, chercher encore un autre public. Finalement, plus le public, je dirais, qui avait l'habitude de regarder des sitcoms. C'est-à-dire qu'ils avaient envie de savoir ce qui allait arriver à leur personnage favori. Et pas tellement de voir les combats à proprement parler. Finalement, ces combats-là, c'était plus le dénouement des storylines. Ils servaient de dénouement. Alors, bien sûr, les hardcore fans, eux, continuaient à regarder les combats, mais les autres, j'ai envie de dire, s'intéressaient plus, on va les appeler les casual fans, s'intéressaient davantage aux storylines et moins sur les combats. Et je pense que c'est la capacité de cette période à aller chercher ces gens-là et les amener dans leurs ratings qui a peut-être contribué à cette grosse popularité. Alors forcément, l'augmentation de tout ça a augmenté le nombre de changements de titres. Et les titres, globalement, ont perdu leur valeur. En particulier, tout ce qui est titre intermédiaire, solo, notamment le titre intercontinental. Mais aussi les titres par équipe, même s'il y a eu quelques belles équipes dans cette période-là. Je pense que le titre a en tout cas pas pris de la valeur par rapport à la période précédente. Donc c'est une période qui est arrivée et soit extrêmement adulée, soit critiquée. Je pense que rétrospectivement, on peut avoir l'impression que c'est exceptionnel, mais du coup, comme c'était tout le temps un peu à fond, too much, c'était assez fatigant et on pouvait vite essouffler en fait sur cette période. Et c'est ce que je lui reproche personnellement. Alors, jusqu'à WrestleMania 8, la fin de période est assez difficile à situer. Bon, c'est un repère comme un autre. Disons que lorsque les deux, la WCW et la ICW, auront été absorbées, déjà, ça sera un petit peu la fin de cette période. Elle va perdre un début de saveur. Et puis ensuite, avec le changement de produit, dont je vais parler dans quelques minutes, on pourra parler d'une nouvelle période. Donc la période suivante, là, c'est un peu plus personnel. Voilà, donc la période, je l'ai appelée les 4 Glorieuses. Alors, je vais passer plus vite maintenant sur les différentes périodes, déjà parce qu'elles sont plus récentes, donc vous les connaissez certainement mieux, et aussi parce que j'ai moins de recul et mon découpage est, à mon avis, plus personnel. Donc, je vais aller plus vite. Alors, pourquoi les 4 Glorieuses? Ça reprend l'expression les 30 Glorieuses, bien entendu. Donc, ça correspond aux années 2002, 2003, 2004, 2005. Ça s'arrête jusqu'à janvier 2006 avec New Year's Evolution 2006. Je vais expliquer pourquoi dans une minute. Et Glorieuse parce que c'est une période durant laquelle, avec l'absorption donc des rosters des ECW et WCW, plus, ajouté à ça, la création de nouvelles stars et le retour d'anciens comme Shawn Michaels. Plus d'ailleurs, on peut aussi parler du push dans le main event de lutteurs qu'on ne pouvait y attendre depuis un moment comme Eddie Guerrero ou Chris Benoit. Ça nous donne quand même un roster de malades et ça nous donne quand même un produit assez emballant. Je pense que cette période-là fait presque plus unanimité que l'Attitude Era qui reste, elle, une période assez contestée par une partie des fans. Le roster était tellement énorme d'ailleurs que c'est l'époque durant laquelle on a divisé le roster en deux, avec d'un côté Raw, de l'autre côté SmackDown, avec les deux World Titles. À l'époque, ça allait même plus loin que maintenant, puisqu'on avait des pay-per-view exclusifs à Raw et SmackDown, et certains en commun, comme WrestleMania. Alors, c'est aussi une période durant laquelle il y a des anciens qui vont s'en aller, et comme je disais, c'est la période, et c'est pour ça que je la fais aller jusqu'à New Year's Evolution 2006, durant laquelle on va créer une nouvelle star. On peut parler de Brock Lesnar, John Cena, Batista, Randy Orton, etc. jusqu'à donc Edge. Et New Year's Evolution 2006, c'est le pay-per-view lors duquel Edge va cacher le premier Money in the Bank et devenir champion du monde pour la première fois. Et en fait, pour moi, c'est le dernier d'une presque une lignée, Edge. Et c'est pour ça que je prends ce moment comme un tournant. Parce qu'en fait, voilà, la période suivante, je l'appelle à la recherche de la nouvelle star. En fait, c'est une période un peu de disette, entre guillemets, durant laquelle on va rater beaucoup de push, et on va avoir, ça va être des tentatives infructueuses de renouveler le roster. Et dans le même temps, on va faire une sorte de retour en arrière sur pas mal de choses. On va enlever le sang, on va revenir à un produit plus familial, même qui s'adresse un peu plus aux enfants. Les ratings ils chutaient déjà sur la période précédente, ils vont continuer à chuter, et retomber à un niveau proche des années 90 sur cette période-là. Il y a pas mal d'anciens qui s'en vont. Les anciens qui restent sont plus adulés que les stars du moment comme Cena, Orton ou Batista. Bon, Edge étant une exception à mon avis sur ce plan-là. Et du coup, c'est la période durant laquelle on va beaucoup entendre les « c'était mieux avant ». Et je pense pas qu'on entendait beaucoup ça avant.
Mais c'est presque la marque de commerce de cette période-là. Alors, on l'entend encore aujourd'hui, alors que je fallais cette période-là jusqu'à Molène Novembre 2011, ça voudrait dire qu'elle est terminée. Bon, vu que j'ai pas de recul, de toute façon, on y est peut-être encore dans cette période-là, j'en sais trop rien. Mais bon, j'estime qu'on a eu un petit changement dernièrement. Mais voilà, je pense que c'est ça qui fait, si on essaie d'objectiver un petit peu, c'est ce qui fait la saveur de cette période, qui n'était pas si mauvaise que ça en fait, mais c'est juste que peut-être elle souffre de la comparaison sur pas mal d'éléments avec les périodes précédentes. Et ce qui fait que c'est une période qu'on a, enfin, que pas mal de gens ont aimé détester, j'ai envie de dire. Pour une période heal, si on veut. Et donc je la fais aller jusqu'à Money in the Bank 2011, puisque lors de ce pay-per-view, diapo suivante, CM Punk devient champion du monde et devient une immense star. Il avait déjà été champion du monde avant, mais ses runs précédents pouvaient être mis sur le même plan que ceux de Swagger ou je sais pas d'ailleurs qui a eu des runs de champion un peu foireux comme ça. Il y en a sûrement d'autres, Jeff Hardy par exemple, qui n'ont pas fait de ces lutteurs-là vraiment des grosses stars. Je pense que CM Punk là a passé un cap qui fait qu'il y aura presque un point de non-retour. On ne pourra pas retrouver un CM Punk mid-carder maintenant, c'est impossible. C'est aussi un show durant lequel on a eu Money in the Bank 2011, Daniel Bryan qui gagne la mallette, la Money in the Bank briefcase, qui lui garantit un spot de main event à un moment ou à un autre. Au-delà de ça, c'est un show durant lequel j'ai entendu une bonne pop pour Sheamus. Peu de temps avant ça, on avait eu un bon push pour Miz qui avait aussi été intéressant. Cody Rhodes commence à prendre du coffre, etc. Le produit change un petit peu aussi durant cette période. Ça avait commencé avant Money in the Bank 2011, mais les storylines deviennent un peu moins enfantines, le sang devient un peu moins gênant, on commence à un peu moins le cacher, ce genre de choses. Donc on est peut-être en train de vivre un changement de période, bien entendu. J'en serais trop rien puisque on est en plein dedans. J'imagine aussi qu'avec le WWE Network, on va peut-être assister à d'autres changements. Alors ce network joue peut-être aussi sur la corde nostalgique qui est apparue de façon vraiment flagrante sur la période précédente. Donc là aussi on peut nuancer ce que je dis, mais enfin je pense qu'on a une vision d'avenir beaucoup plus optimiste maintenant que il y a 4 ans. Donc voilà, je ne sais pas si ça, le futur confirmera, et peut-être que d'ailleurs dans un an j'aurai envie de dire le changement de période, ce sera WrestleMania 29 ou je ne sais pas. Mais voilà, je pense qu'il y a un changement actuellement et j'attends peut-être le moment où je pourrais dire, ah là, il y a vraiment un truc qui a changé, clairement. Évidemment, c'est pas encore arrivé au moment où je vous parle, donc je laisse ces points d'interrogation, je laisse un peu ça en suspens. Et enfin, une petite dernière diapo, je pense que j'ai dépassé mes 20 minutes, j'ai pas le chrono sous les yeux. Un petit peu récapitulative, alors cette frise n'est pas à l'échelle, mais c'est juste pour avoir une vue d'ensemble avec les logos, là c'est un peu anecdotique, mais je trouvais que c'était sympa. Qui vous permettra peut-être de zoomer après sur les périodes que vous voulez, ou lorsque quelqu'un fera une chronique sur telle période ou telle année, vous saurez retrouver où ça se situe. Notamment sur mes chroniques, mais celles des autres aussi. Hein, voilà. Donc j'espère que ça aura été intéressant, agréable à suivre, et si possible instructif. Bon, ça reste des découpages qui sont légèrement personnels, surtout après Attitude Era, mais je pense que c'est un découpage fidèle et je pense l'avoir plutôt bien justifié. Bon, j'écoute vos réactions d'ailleurs là-dessus, j'imagine qu'il y en aura, vous en aurez. Et puis, bah pour les autres, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!